certains pas, quand même l'extrême droite. Parce qu'ils ont mis un gars qui met une chemise, cravate, il met le parfum, il rase la barbe, il a la peau claire, il parle bien, il fait des vidéos sur TikTok en bonne qualité, ça y est. Vous avez cru on cherche un présentateur Gulli ou on cherche un présentateur d'un pays? Salut, bonjour, vous allez bien? C'est dur ce qui se passe en ce moment. Hein. Je fais cette vidéo avant qu'on me retire le droit de la faire, parce que l'extrême droite risque de passer. L'extrême droite va passer par là, nous on va passer par là. Ça va être rac, pap, dans le même jour, ils vont nous envoyer chez nous. Voilà la seule chose que je retiens de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la politique française, la vérité les amis, c'est que les Français ils en ont marre. Le seul point en commun entre tous les Français, ceux qui votent à droite ou ceux qui votent à gauche, si tu les prends ensemble, les deux, ils ont un point en commun, tu sais quoi? C'est le dégoût de la politique française. Aucun des deux ne fait confiance aux politiques français. Parce qu'aujourd'hui, les politiques français n'ont aucune crédibilité. Tu peux voter pour un mec de droite, il monte en haut, il devient de gauche. Normal. Tu peux voter pour un mec de gauche, il monte en haut, il devient de droite. C'est qu'aujourd'hui, il y a un président d'un parti de droite. Tu sais, il a fait alliance avec l'extrême droite sans l'autorisation des adhérents de son parti. Ça, c'est la preuve que les politiques, chacun fait à sa guise. Ils défendent leur intérêt personnel, ils s'en foutent de l'intérêt des Français. Parce que les amis, en vrai, les fachos, c'est pas eux le problème. Le problème, c'est les médias qui leur ont fait un lavage de cerveau. Ils les ont bombardés avec des idées, ils les ont embobinés. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les médias, comment ils essayent de remplir les fachos d'idées, et ces fachos-là, ils deviennent fachos à force de recevoir plein d'idées. À la télé, ils disent le problème, c'est l'immigration, l'immigration, l'immigration. Les Français veulent la même chose. Il n'y a pas un Français qui va te dire, moi je veux la guerre civile, je veux les problèmes, je veux que tout le monde soit pauvre. Non, tous les Français veulent vivre en paix, en sécurité, économiquement bien, qu'ils puissent élever leurs enfants dans des conditions dignes, qu'ils aient un bon niveau à l'école, qu'ils puissent bien gagner leur vie. Tout le monde veut la même chose en fait. Tout le monde veut le bien-être du pays. Sauf que chacun se cache derrière un problème. L'extrême droite, il se cache derrière l'immigration. Et déjà, moi, ce parti politique, il me tue. Déjà, Jean-Marie Le Pen, avec tout ce qu'il a fait, les gens, ils disent, non, ils sont devenus sympas quand même, l'extrême droite. Comment ça, sympa? Parce qu'ils ont mis un gars qui met une chemise, cravate, il met le parfum, il rase la barbe, il a la peau claire, il parle bien, il fait des vidéos sur TikTok en bonne qualité, ça y est. Vous avez cru, on cherche un présentateur Gulli ou on cherche un présentateur d'un pays? Un sketch, le parti le représentait par un gars, il est rentré en classe avec Squeezie. Le gars, au lieu de gérer la campagne électorale, il rentre en classe avec des youtubeurs. Il lui a dit, t'as le seum parce que Thibaut InShape t'a dépassé sur YouTube. Mais on est où là? Mais on est où là? J'ai envie de pleurer, la politique en France, c'est un sketch. C'est quoi ce parti? En plus, le gars, il a gagné aucun débat politique. Ils lui ont dit, il y a combien de gars en France? Il a fait 300. Frérot, fais tes devoirs au lieu de rentrer en clash avec Squeezie. Franchement, et chacun fait son taf. Squeezie fait son taf, toi fais le tien. C'est un présentateur qui va représenter un pays. On n'est pas dans c'est qui le beau, c'est qui pas le plus beau. Là qui c'est qui a le déodorant, c'est qui n'a pas le déodorant. Là, les amis, on gère un pays. Il faut réaliser ça. Déjà, c'est quoi ce parti où Jean-Marie Le Pen, dans le parti à Marine Le Pen, marié au maréchal Le Pen, c'est un parti ou c'est une entreprise familiale? C'est quoi ça? C'est une épicerie, ça part de père en fille. Oh! Bon, les amis, avant de finir cette vidéo, je vous invite tous à aller voter le 30 juin et le 7 juillet parce que c'est déjà assez la merde comme ça. Donc, n'en rajoutons pas, autant essayer de sauver ce qui reste à sauver. Et que la paix soit sur vous. Pour les fachos, les non-fachos, je m'adresse à tout le monde. Que la paix soit sur vous, je vous aime comme vous êtes. Inch'Allah, vous changez. Pour les fachos. Ah oui, j'ai dit Inch'Allah, merde.